pour vous parler de mes coups de cœur du moment pour différentes choses, pas forcément des cosmétiques. Alors par exemple, une jolie petite marque que j'ai découverte là récemment, qui est créatrice de bijoux, qui est toute jeune marque, et donc qui mérite un petit peu qu'on parle d'elle pour qu'elle soit connue, parce que c'est très joli ce qu'elle fait. Par exemple là, je porte, vous voyez, des petites boucles d'oreilles faites par cette entreprise qui s'appelle À l'Orée du Bois. Et c'est donc les bijoux qui sont faits avec donc à base de fleurs naturelles, de la résine et de l'argent pour certains modèles. Moi par exemple, vous voyez sur mes boucles d'oreilles, il y a de l'argent pour le passant de la boucle en fait. Et c'est super mignon, super frais, très délicat, féminin. Bref, c'est une idée de cadeau extraordinaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler, parce que voilà, donc voilà, je me rapproche un petit peu plus près, je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait c'est super joli parce qu'il y a des petites facettes en fait avec la résine, et donc ça donne un petit peu un côté un petit peu brillant. C'est très très mignon. Et en plus, donc quand vous le recevez, donc vous recevez dans un joli petit pochon comme ça. Vous avez également donc une petite carte, donc moi en l'occurrence c'est le bleuet, puisque c'est des bleuets qui sont dans les boucles d'oreilles. Vous avez une jolie petite carte comme ça, voilà, donc là moi c'est un bleuet. Et vous avez aussi donc un petit papier qui vous explique en fait, donc voilà, moi par exemple pour le bleuet, les propriétés du bleuet, qu'est-ce que ça fait de bien, etc. Donc là apparemment c'est très bon pour les yeux. Donc voilà, c'est vraiment un petit cadeau original et sympathique. Et puis ils font plein d'autres choses si vous voulez les retrouver. Vous pouvez les retrouver sur Etsy. Et vous pouvez les retrouver évidemment sur Instagram. Et puis je vais tout vous marquer dans la barre d'infos. Comme ça, si ça, je vous avais envie de faire un petit cadeau comme ça, ben écoutez, vous pourrez les retrouver. Je voulais vous parler aussi d'une autre marque. Donc en fait c'est la marque Treadwood, et donc avec Bobo Bird, qui font en fait des choses super sympas, en l'occurrence des montres pour hommes, pour femmes, des très jolies lunettes aussi, des petits sacs, des petits accessoires à base de bois. Et donc voilà, donc, je voulais vous montrer. Donc là moi par exemple je porte un modèle pour femme. Très joli, très féminin, donc avec du bois sur le dessus, super sympa. Et puis j'ai acheté aussi, parce que c'est l'anniversaire de mon mari dimanche, donc là tout va bien parce que non, c'est son anniversaire samedi et ma vidéo sortira dimanche, donc je peux en parler, la surprise restera entière. Donc c'est présenté comme ça dans une jolie petite boîte en bois avec un fermoir, donc vous ouvrez. Et donc quand vous ouvrez, donc vous avez la montre donc qui est donc attachée avec un petit coussin donc recouvert de lin. La boîte, le dessus de la boîte est capitonné aussi avec du lin, c'est très joli. Et donc la montre, elle est livrée, que ce soit pour homme ou pour femme, avec un petit bracelet comme ça que vous pouvez mettre autour de votre poignet. C'est très à la mode en ce moment, hein, pour hommes, avec la montre et ce bracelet, ça fait super joli. Enfin, moi je la trouve vraiment très belle cette montre, je vous la montre un peu plus près, parce que franchement, que ce soit la montre et la présentation, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je suis très contente d'offrir ce cadeau à mon mari, que je trouve vraiment très joli. Et sachez aussi, si un jour vous avez envie de faire un cadeau dans ce style-là, l'entreprise en fait permet que vous puissiez faire quelque chose de personnalisé, dans le sens où vous pouvez par exemple donner une photo de vos enfants, une photo, quelque chose à laquelle vous tenez, et donc ça peut être mis dans la lunette de la montre. Donc en fait c'est vraiment chouette parce que ça fait vraiment un cadeau unique et personnalisé. Donc moi j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, je vais remettre tout bien parce que c'est le petit
anniversaire pour mon mari. Voilà, vous savez, avant lui. Hein. Voilà. Et puis, je voulais vous parler aussi. Donc là, cette fois-ci, c'est un cosmétique que j'ai trouvé génial par rapport à l'odeur. Voilà, c'est surtout pour ça que je voulais vous en parler. Parce qu'en fait, c'est un exfoliant pour le corps et c'est surtout que ça laisse une odeur, mais ça sent trop bon, franchement, ça sent trop bon. Voilà, vraiment, si vous cherchez vraiment un exfoliant pour le corps qui vous laisse la peau douce et une peau délicatement parfumée, je vous recommande. Ça s'appelle donc Les Jardins Retrouvés. Donc c'est une société qui a été fondée en 1975. La composition est super chouette, hein. Les côtés naturels, il y a une très belle composition et surtout ça sent très bon. Donc, vraiment je vous recommande vraiment ce petit exfoliant si un jour vous cherchez. Et puis je voulais vous montrer quelque chose, voilà, je suis toute contente parce que depuis très longtemps je cherchais en fait une je cherchais une veste que je pourrais mettre voilà, en automne ou aussi au printemps, à la mi-saison. Et là, avec les soldes dernièrement, j'ai donc craqué sur une petite veste. Voilà, j'ai payé moins 50%, je l'ai trouvée chez Gémeaux. Et donc j'avais besoin d'une petite veste un petit peu habillée voilà, pour me rendre à ce mariage. Et je voulais aussi une veste que je pourrais remettre après, que je pourrais réutiliser avec plein de choses, une veste qui peut me servir pour voilà, avec plein d'autres vêtements, plein d'autres styles. Elle est de très jolie qualité, hein. Elle a un aspect peau de pêche en fait, elle a la couleur pêche et l'aspect aussi peau de pêche, donc c'est très doux, très souple, elle se tient très bien. Elle a un style perfecto, vous voyez. Et ce que j'aime aussi avec cette veste, c'est qu'elle a de très jolis empiècements, là, ici. Donc, elle est très... elle est moderne et en même temps élégante. Et voilà, je vais pouvoir la mettre donc, avec cette robe que j'ai depuis pas mal de temps et que je ne mettais plus tellement parce que c'est une robe, en fait, qui n'est ni une robe d'été ni une robe d'hiver. Donc, voilà, il fallait une veste qui aller avec, pour que je puisse la mettre un petit peu plus élégant qu'un gilet, vous voyez. Donc du coup je suis contente parce que vous voyez les couleurs, ça va aller parfaitement bien avec cette robe. Je vais donc pouvoir la remettre. Et voilà, la veste, franchement je me dis ça peut être très joli avec un jean, ça peut être très joli aussi avec un pantalon noir, une jupe crayon, au printemps avec par exemple pantalon en lin ou pantalon beige, vous voyez, en fait avec plein de choses, le jean bien sûr, en fait voilà, c'est une veste que je vais pouvoir utiliser et remettre. Voilà, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que j'ai craqué. Voilà, et bien écoutez, mais je suis quand même très contente de vous avoir montré donc mes petites trouvailles. Ben, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, que peut-être, d'ailleurs, il y a peut-être encore hein, de ces vestes, si elle vous plaît, vous avez envie d'aller y jeter un petit coup d'œil, vous pourrez peut-être la retrouver. Et puis, ben, les autres petites marques que je vous ai présentées, je vais remettre dans la barre d'infos, je vais tout remettre aussi sur le blog, comme ça si vous avez envie, bien vous pourrez la retrouver. Sachez qu'avec les montres et les lunettes, etc. de la marque Tread, vous avez moins 15% avec le code Sakura15. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas un très très bon dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes rentrés. Sinon les autres, bah, profitez bien encore du bon temps qu'il faut prendre, hein, voilà, tout simplement. Et puis bah, bien sûr, si ma vidéo vous a plu, bah, écoutez, ça fait toujours super plaisir, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis actionnez la petite cloche, comme ça vous saurez bah, quand mes vidéos sortent. Et puis voilà, un petit commentaire si vous avez envie, voilà, c'est tout ça.
Ah bah voilà mon Falco. Bah, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis bah écoutez, je vous retrouve et puis je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.